What up les boss? On est de retour au studio. J'étais en vacances pendant 2-3 semaines. Je vous ai quand même sorti du contenu. Vous avez pu voir des trucs avec des lieux un peu différents. Et là, je suis de retour au studio. Du coup, on va reprendre les bonnes habitudes. On va faire des prods. En plus, là, sur le challenge des 100 prods, j'en suis à la moitié. Donc 50, j'ai quand même essayé d'être le plus productif pendant les vacs. Alors attendez, là vous pouvez voir. Bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Donc on est à la moitié et en vrai je vais pas vous cacher que là j'ai hâte de finir parce que j'ai envie d'envoyer toutes ces prods, de les partager, d'envoyer faire la fameuse vidéo où j'envoie 100 DM à 100 rappeurs différents. Attendez, j'en ai marre de marcher quand je parle, je vais mettre un setup vite fait. Aujourd'hui, je me suis dit que pour le retour au studio, qu'on pouvait faire un délire un peu West Coast, mais un peu sad. En plus, dans le délire West Coast, j'accumule quand même pas mal de prod. Pas mal de prod aussi un peu sombre dans ce délire-là, BPM assez haut, qui pourrait être bien match avec des artistes, là, le crew un peu de Gapman, en mode Lucci, Toussi, ces mecs-là. Du coup, on va stacker des prod qu'on pourra, j'espère, leur envoyer. Là, j'ai eu le mail d'une personne qui s'appelle Bounce J. Et qui m'a envoyé un bon petit groupe de loops. Et j'en ai pris une sur les quatre qu'il m'a envoyé. On va taffer celle-ci. Je tafferai sûrement les autres. J'ai envie de rusher pour vite avoir ces 100 prods. Du coup, envoie-moi des loops, des bonnes loops. Histoire qu'on fasse ça vite. Et qu'on passe à la suite parce que j'ai trop hâte. Match en 808 efficace. Faut trouver un pattern. J'ai envie de mettre un truc qui accélère, mais garder le mood assez slow pour tu sais, un mec qui kick, qui dit les, qui raconte des histoires. Pareil, un petit roll là. Pas besoin de monter si haut, je pense. Alors, on peut peut-être faire un petit doum-doum. Mais plus bas, je le sens plus grave, lui. Juste avant. Pour donner de l'espace dans la transition. Ah, ou sur le piano déjà en vrai direct. Ah, je sais pas. Ok, là on est pas mal, je pense. Un peu de saturation. DB. Je clique sur soft clip, même pas, je vais mettre bon, allez, 2 dB. Et maintenant, on va pouvoir passer aux drums. You dig? Pareil, je veux que ce soit soft. Laisser bien de la place pour la voix. En plus, on a déjà une voix dans le sample, même si je vais utiliser un peu les stems, je pense, après. Qu'est-ce que je vais voir dans mon kit. Continuer comme ça. On va continuer là-dessus. Classique, ça. Je vais ralentir un petit peu le BPM vite fait, on va voir ce que ça donne avec le sample. Je pense que la
partie avec la voix, en vrai, sera plus pour les, tout ce qui est intro, couplet. Pas couplet, je veux dire pré-refrain, ce genre de bail-là. Et je vais pour partir avec la boucle simple. Comme ça, on va bien construire. Utiliser le ride pour du le on va suivre le 808 pour le dupliquer. Après les petites notes, les aigus, ça peut bien passer. On va faire un test. Il faut des snare rolls, je pense. Petit kick. Bien rond. Juste simple. Merde, je l'ai mis un peu tôt, je crois. Hey, hey, hey. Ouais, ça sert à rien de le mettre là. Ouais, juste sur le premier temps à chaque fois. Même pas le deuxième. Soft. Je vais le booster juste un peu. Je pense que la note, on peut peut-être faire mieux sur la note de 808. Je vais checker ça. C'est plus simple. C'est mieux. FX. Non, la loupe de Burns J, elle est efficace de fou. Du coup, on va se faire la petite structure de la loupe.
Hey. Ah, mais pour le refrain, je peux balancer des petits hi-hats, mais vraiment très simple. Allez, juste là, ça va être juste la sauce. On va aller dans... On va retourner dans le kids... On va retourner dans le kids air. Alors, hop, on va prendre ce petit pattern que j'ai fait là. Et au final, vu qu'il y a très peu de hi-hats, je pense qu'il vaut mieux miser sur... qu'on les entende bien. Donc je vais changer de truc. Là, j'avais pris un truc un peu reverb. Peut-être un plus spécial. C'est vrai que j'ai plein de hi-hats là-dedans, let's go. Avec un peu de délai. Good looking nice, petite prod qui pourrait bien match avec les rappeurs auxquels je pensais. Je sais que j'ai pas mal de looks dans ce délire. Il y a des gens qui commencent à me cerner. C'est West Coast ensoleillé, vintage soul, West Coast dark aussi, je kiffe. Et aussi les, je suis toujours un fils de trap de Future, Gunna et ses sonorités folles et tout. Donc, shout out à vous, continuez à m'envoyer du feu et je vais stocker masse de prod pour qu'on arrive au 100 et qu'on enchaîne.